Bonsoir chers amis auditeurs, ravi de vous retrouver en cette deuxième partie d'entretien que m'accorde le 46e guide spirituel de la confrérie de la Tariqa Alaouia, Cheikh Khaled Bentounes. Bonsoir et bonsoir. Merci d'être avec nous. Hier au soir, Cheikh Khaled Bentounes, nous avons évoqué quelques aspects fondamentaux qui font le tasawuf, qui font le soufisme. On a parlé entre autres de la culture de la paix, de la nécessaire promotion de cette culture dans un aujourd'hui où les tiraillements, les replis identitaires de tous bords ont la primauté sur la voie de la sagesse, sur la voie de la concorde et de la fraternité. Nous avons évoqué des questions inhérentes au dialogue interreligieux. Peut-être commencer cette deuxième partie d'échange en évoquant une dimension qui est tout aussi fondamentale pour vous, la question de la femme. La femme, vous lui avez dédié en 2014, il y a deux ans à peu près, à Oran, un congrès international intitulé « Parole aux femmes » où justement vous avez donné la voix à cette matrice du monde qu'est la femme. Avec la participation de 3200 participants, me semble-t-il, plus de 25 nationalités. Tout cela pour dire que l'islam n'a jamais cloisonné l'élément féminin et que bien au contraire, l'élément féminin, le genre féminin, a toute sa place et une place de premier plan. Oui, et ça je crois que c'est quelque chose que nous ignorons et dont nous souffrons, nos sociétés souffrent. Parce que pour connaître l'évolution d'une société et pour connaître sa profondeur, toucher au féminin. La position de la femme est centrale. Si la femme est respectée, si la femme a ses droits, si la femme joue pleinement son rôle en tant que première école, d'abord parce qu'elle est mère, d'abord parce qu'elle porte la vie et c'est elle qui enfante les sociétés. Donc le genre humain doit beaucoup à la femme. Parce qu'elle est cette matrice porteuse de vie, son rahim. Et son rahim est cité, il connote avec la notion de miséricorde. De miséricorde, de rahma. Rahim, il est et la femme, c'est quelque chose qui. La matrice, donc ce matriciel, il agit pour transmettre la vie à travers la femme. Et puis, nous subissons, qu'on le veuille ou pas, dès notre naissance, dès notre conception, nous allons avoir une relation très particulière avec nos mères. Parce que dans leur ventre, nous allons être heureux ou malheureux par rapport à leur propre vie. Elles nous transmettent déjà cette impulsion de vie, d'espoir. Et c'est pour ça, plus... On émancipe la femme, plus elle est ouverte, plus elle est cultivée, plus elle est sensible, plus elle a ses droits, et plus elle devient ce réceptacle qui reçoit la vie avec le plus de chances de réussite possible. Et il faut qu'on éduque aujourd'hui nos enfants, filles et garçons, à ce qu'ils veillent à savoir qu'ils sont les transmetteurs non seulement de la vie en tant que corps, biologiquement, mais aussi de cette intelligence, de cet intellect, de ces sentiments, de ces valeurs, dès l'enfance. Donc, leur couple, s'il se fonde sur l'égalité, sur une compréhension mutuelle, et pas seulement sur le jeu entre hommes-femmes, la supériorité, le matriarcat ou le patriarcat. L'un domine l'autre. Il ne s'agit pas de rapport de force. Il ne s'agit pas de rapport de force. Il s'agit de complémentarité. Et n'oublions pas qu'en chacun de nous, nous avons nous-mêmes reçu 50% de nos gènes viennent du père et 50% de nos mères. Donc il y a un équilibre pour qu'un être puisse naître et grandir, c'est qu'il obtient des deux. C'est la source de vie, c'est la dualité qui fait l'unité. Tout cela pour dire également que la tenue de ce congrès, valorisant la femme, n'était pas du tout de l'ordre de la condescendance, mais du rétablissement des choses à leur juste place. Voilà, la normalité. Oui. La normalité. Oui. D'autant plus
que nous avons fait une exposition qui est sur le voile, voilement du voilement, qui a suscité un grand intérêt et qui est en train de parcourir le monde. Elle va partir, par exemple, pour New York la semaine prochaine. Et nous racontons l'histoire du voile. Voilà un mythe, par exemple. Voilà un mythe qui est aujourd'hui perçu par le monde entier, y compris par les musulmans eux-mêmes, comme une prescription coranique. Alors que quand on fait l'histoire, on voit tout à fait autre chose. Nous avons débuté l'histoire avec ce qu'on a trouvé. Ça nous a pris un an et demi de travail. Mais nous avons trouvé, par exemple, un document extraordinaire. Le premier décret imposant le voile à la femme date de Taglat-Phalazar Ier, donc c'est un roi assyrien en Irak, 11 siècles avant Jésus-Christ. Donc on ne raconte pas des histoires en disant c'est le Coran qui a prescrit. Et quand nous venons vers la civilisation grecque, nous voyons que le voile était imposé aux Grecs, aux femmes grecques. Les Romaines portaient le voile. Donc les civilisations du bassin méditerranéen ont toutes dans leur tradition la coutume du voile. Et ce n'est pas une coutume particulière à l'islam. Quand nous prenons... En régime chrétien, saint Paul parle du voile, par exemple. Pire que ça. C'est-à-dire que les pères de l'Église sont les plus exigeants au niveau de voilement de la femme, au niveau de la supériorité de l'homme sur la femme, etc. Les pères de l'Église, bon, il y a saint Paul, mais il y a aussi les autres. Et on voit que l'Arabie pré-islamique avait pour divinité trois femmes, l'État ou l'Azza ou l'Unat. Ces choses extraordinaires qui étaient voilées. Donc la tradition du voile date bien avant le message prophétique mohammedien. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on vient à l'islam, on voit que l'islam a été plutôt modérateur. Il a essayé d'équilibrer, et la première des choses qu'il a faites, qui est fondamentale, c'est de dire, nous vous avons créé d'une seule âme. Min nafsin wahida. Or, le terme nafs est féminin. Min nafsin wahidatin. Donc, c'est déjà, le rapport ici, il rétablit une vérité qui est révolutionnaire à l'époque. C'est quand même déroutant, les méandres de l'histoire. Voilà l'islam qui vient assouplir un certain nombre de préceptes, un certain nombre de coutumes, et qui est aujourd'hui taxé, stigmatisé comme étant le crispateur de ces C'est l'image que donnent les siens aujourd'hui, malheureusement. Parce que à force d'être dans la défensive et à force d'être dans l'amertume de l'histoire, nous sommes les produits de l'histoire. Il y a eu le colonialisme, il y a eu les déboires avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Les injustices, la Palestine, les machins. Tout ça fait que nous sommes actuellement dans un esprit où nous sommes agressés par tout le monde. Donc revendicatif. Crispé, rigide. Et défendre comme si on défendait un territoire. Et dans l'esprit, il n'y a pas de territoire. Dans l'esprit, c'est les idées. C'est le choc. C'est pas le choc le choc qu'il y a entre les gens aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos idées? Cet état d'esprit, cher Bentounes, dit quand même quelque chose d'une très grande insécurité intérieure inscrite en nous. Oui, on se sent effectivement, c'est un mal-être intérieur. Alors qu'on a des moyens colossaux, alors que les pays arabes sont des pays les plus riches du monde aujourd'hui, que nous avons bénéficié la sagesse divine à distribuer les richesses et qu'elle a mis les richesses énergétiques dans nos pays, et nous n'avons pas su tirer de ça, transformer le pétrole en connaissance, et en droit, et en justice sociale. Et donc nous avons dépensé des milliards et des milliards dans des investissements du paraître, dans la vitrine. Et nous avons oublié... Dans la revendication. On est dans les mêmes fonctionnements. À soutenir des actions qui sont parfois des actions suicidaires. Au lieu de comprendre notre époque, de vivre en harmonie avec elle et d'être des propositions. Vous avez 1,7 milliard de musulmans dans le monde. Qu'est-ce qu'ils comptent aujourd'hui dans le monde, réellement? Qui fait l'avenir? Qui construit l'avenir? Par quoi nous participons à l'avenir du monde? Qu'est-ce que nous proposons comme idée? Mais idée généreuse, idée pour tous. Les meilleurs d'entre nous, notre élite part aujourd'hui en Occident ou part en Orient
Et nous perdons la matière grise chaque jour davantage. Nos enfants sont chassés par des chasseurs de tête et nous nous appauvrissons au niveau de nos connaissances, et puis qu'est-ce qui finalement en croyant dominer, nous demeurons otages plus que jamais de nous-mêmes avant de jeter la pierre à l'autre, parce que quand l'ennemi est identifié, c'est votre ennemi, bon, et ben qu'est-ce que vous voulez, votre ennemi, il y a deux façons de le combattre. Soit vous tirez profit de lui, c'est-à-dire qu'il vous montre vos faiblesses, et par cela, il vous rend service. Soit son agressivité vis-à-vis vous ne peut que vous renforcer dans vos principes. En rancœur, ah oui, d'accord. Dans vos principes. Mmh. Si c'est dans la rancœur, vous avez déjà perdu d'avance. Tout à fait. Et nous sommes, donc sur ce plan-là, nous sommes aujourd'hui loin d'avoir compris le jeu géopolitique du monde pour dire que nous avons un rôle à jouer. Sans l'islam, rien ne se fera. L'avenir dépend justement de la situation du monde musulman. Il est la clé. Ceci m'amène à aborder une question qui vous est importante, cher Khaled Bentounes, dans la Tariqa Alaouia. C'est la question de la citoyenneté. Qui parle de citoyenneté parle évidemment de l'école, qui est pourvoyeuse, qui est nourricière de cette citoyenneté. Que faudrait-il, envisager justement pour essayer de partager, de promouvoir cette culture de paix, de réconciliation avec l'autre, de réconciliation avec soi-même via l'école et la citoyenneté? Oui, vous avez dit la réconciliation d'abord avec soi-même. On ne peut rien faire si on n'est pas nous-mêmes apaisés. Donc la première des choses, cette culture de paix nous permet de nous apaiser avec nous-mêmes, dans le couple, dans la famille, dans la société, dans la cité. Comment construire une cité du vivre ensemble? Comment construire une cité où la parole est une parole de sagesse, une parole de réconciliation, une parole de considération? Comment je peux reconsidérer l'autre? L'autre, déjà, c'est mon prochain, celui qui est mon enfant, mes petits-enfants, mes voisins. Donc, c'est comment rétablir ce lien, déjà, dans la cellule familiale. Et ça s'apprend. Je regrette. C'est pour ça qu'on se bat pour une académie de paix. On a des académies de guerre. On a des académies de musique. On a des de mathématiques. Et tout ce que vous voulez, on n'a pas d'académie de paix. Et nous sommes en train de travailler sur des programmes et avec nous essayons de sensibiliser l'ONU, de sensibiliser l'UNESCO et l'Observatoire du vivre ensemble. Les Canadiens sont très avancés dans ce domaine et nous souhaitons prendre de ce qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, cette culture de paix, le premier pays qui l'a inséré dans son enseignement, c'est le Canada. De l'école élémentaire au secondaire et même au primaire, au secondaire et universitaire. Donc c'est tout sachant le melting pot qui caractérise sociologiquement un pays comme le Canada. Comme le Canada. Comme le Canada. Et là où on ne regarde pas l'individu d'où il vient, mais on regarde ses capacités. Quelles sont ses capacités? C'est une question de capacité qui prévaut et non une question d'origine ou de religion. Et nous sollicitons d'autres ONG internationales pour pouvoir produire cette culture de paix à travers une pédagogie. Et en ce qui nous concerne, c'est apporter le volet spirituel. Parce que le volet spirituel ici compte beaucoup pour notre nation, pour la Oumma musulmane. Le volet spirituel compte beaucoup, et même pour l'humanité aujourd'hui. C'est réapprendre, par exemple, à méditer. Parce que quand on dit la paix, on le voit que l'absence de conflit. Or, la paix, c'est autre chose. C'est un des attributs divins. Salam est un nom. Donc c'est un attribut divin. Comment cet attribut, posséder cet attribut, comment qu'il puisse, en le méditant, comment il peut se réagir? Nous avons coupé avec la tradition de la réflexion, de la méditation, alors que l'islam a commencé par elle. Rar Hira, la grotte de Hira, le prophète méditait. Quand il a reçu le Coran, il l'a reçu dans la méditation, dans une grotte, tout seul. Ça, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Tout ça pour dire que dans ce monde
qui vit une tourmente à cause de la financiarisation, à cause de l'économie débridée, à cause justement de cette culture du paraître, de l'extériorité qui est en train de prendre le dessus. Et bien, dans ce monde, et aussi paradoxal que cela puisse paraître à certains, l'islam peut être un véritable levier de paix, de concorde, de fraternité. J'en suis Je crois persuadé. Que c'est un message important j'en à souligner. Suis persuadé, j'en suis persuadé parce que je le vis tous les jours. Je le vis tous les jours et sur plusieurs continents, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, les rencontres que je fais, je m'aperçois jour après jour que le message de l'islam, s'il est véhiculé dans son authenticité, s'il n'est pas idéologisé, politisé, il est une réponse. Il y a quelque chose à dire aujourd'hui. Il y a une réponse. Dans la problématique du monde. Donc il amène une réponse. C'est de renouer avec l'absolu. C'est que l'humain n'est pas qu'un être économique, mais il est avant tout un être spirituel qui est renoué avec la création, renoué. Même pour les problématiques du développement durable, l'islam a... J'allais y venir, exactement. C'est extraordinaire ce que l'islam peut apporter comme richesse là-dedans. La relation. Vous savez que les musulmans étaient les premiers de faire un statut pour les animaux. Qui connaît aujourd'hui que le fiqh islamique, le malikite notamment, je parle du malikite parce que c'est celui que je connais un peu mieux que les autres. Il y a un statut pour les animaux. C'est extraordinaire. Qui se souvient que Irwan Safa a écrit une pièce de théâtre magnifique, nous parlons du XIIIe siècle, où les animaux jugent les hommes. Les animaux, ils se mettent dans cette situation où les animaux dans l'au-delà viennent devant le juge suprême, juger les hommes qui les ont meurtris, qui les ont maltraités. Donc, ce concept est la relation avec la terre mère. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrit la terre, il la décrit comme quelque chose d'intelligent. Une terre qui pense. Dans Surat Ida Zunzilati, فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Donc le wahi, la révélation, elle est habitée puisqu'elle reçoit la révélation, donc c'est du conscience. Donc tout cela peut nous permettre à regarder autrement. De penser, des dérèglements climatiques, l'avenir de notre maison commune. De notre maison commune. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui sont des perles, mais qu'aujourd'hui... Qui sont occultées. Totalement occultées. Et c'est là où l'école devrait jouer un rôle... De réduire les choses, des choses absurdes. Dans l'absurdité totale qui fait de plus en plus baisser le niveau de la réflexion, baisser le niveau de conscience et à générer le rejet. L'école algérienne, par exemple, gagnerait énormément à s'intéresser à tout ce que nous sommes en train d'échanger ce soir, cher Bentounen. Je crois que s'il y a un bien, il faut commencer par soi. Et je suis persuadé qu'à l'avenir, Inch'Allah, parce que nous avons par exemple fait un programme de management qui s'appelle META, donc inspiré de la tradition et de la philosophie musulmane pour la gestion. Et aujourd'hui, il y a 365 associations et ONG dans le monde qui se servent de ce programme. Et c'est un programme qui a été expérimenté et vérifié pendant un an avec l'université de Pontoise, par exemple. Et qui a été essayé dans des écoles où il y a des difficultés. Et on a vu, par exemple, que oui, la notion du cercle, ça marche quand on enseigne... Et ça, j'aimerais bien, parce que là, on n'a pas le temps de tout développer. Mais ça, c'est quelque chose qui existe. C'est avec ça qu'on a fait les scouts musulmans de France et les scouts musulmans d'Europe. Cheikh Khaled Bentounes, on s'accorde une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour évoquer l'actualité de la Tariqa Alaouia, entre autres et en l'occurrence ce grand prix du vivre ensemble qui sera décerné le 21 septembre.
Vous écoutez Le Grand Témoin sur Al Jazeera 3 et mon grand témoin ce soir est Cheikh Khaled Bentounes. Merci encore une fois d'être Bonsoir. Là. Bonsoir. Nous avons donc évoqué pas mal de choses. Venons-en à l'actualité, si vous le voulez bien. Il faut dire que vous êtes sur tous les fronts. Hein. Vous êtes très dynamique. Vous entreprenez pas mal d'initiatives, dont celle donc imminente qui va avoir lieu à Mostaganem, la cérémonie de remise du prix, donc Amir Abdel Qader, un prix donc célébrant le vivre ensemble, célébrant la paix, et ce prix sera décerné le 21 septembre, qui coïncide avec une date qui gagnerait à être connue, à être médiatisée, l'année de la paix telle que décrétée par l'ONU. Parlez-nous de ce processus, de cette genèse, de cette gestation qui a abouti à la concrétisation de ce prix. Alors, il faut que je parte très très loin, parce que dans ma jeunesse, l'émir Abdel Qader nous a marqué très jeune. C'était le portrait qui était dans la bibliothèque, et cet homme imposant, avec toutes ses décorations charismatiques, pour nous, c'était presque une idole, parce qu'on a été nourris. Nos parents, nos maîtres nous parlaient de cet homme qui était à la fois un combattant, qui incarnait à la fois un esprit, une identité et une sagesse. Et ça m'a marqué. Et dès que j'ai reçu cette charge, cette responsabilité de représenter cette école spirituelle du soufisme après le décès de mon père, par le choix. J'étais choisi, je ne l'ai pas cherché. Et j'ai voulu redonner à cette personnalité l'aura qu'elle mérite. Parce qu'on ne connaît pas l'émir Abdel Qader. On le connaît comme un combattant sur un cheval avec une épée. Mais cette image d'Épinal, elle n'a rien à voir avec la réalité. Elle est tronquée. Elle est tout à fait... Nous passons à côté de l'essentiel. C'est un homme qui était témoin de son époque. Le 19e siècle, c'est l'homme du 19e siècle, connu pour son humanisme, pour sa pensée universelle. Le Mawaqif, c'est un livre, quand on le lit, on est subjugué, on est assommé par des connaissances de cet homme, et à la fois spirituelles, mais aussi dans la temporalité. Parce que c'est quand même le seul homme chez nous, en tous les cas en Algérie, qui a incarné à la fois l'homme politique, diplomatique, guerrier, mais aussi spirituel et philosophique. Homme d'intériorité. Donc, c'est vraiment... Il a plusieurs aspects. Mmh. Et s'arrêter à un de ces aspects, c'est tronquer la vérité. Mmh. Donc, j'ai fait tout ce qui était possible pour déjà réaliser une exposition. Donc, ça veut dire ramasser les archives. Et j'ai mis des années, plus de 20 ans, à ramasser des archives sur l'émir Abdel Qader, ses manuscrits, ce qu'on a dit sur lui, ses lettres, ses objets, etc. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à une somme considérable qu'il faut transmettre aux générations à venir. Et donc cette exposition, elle est traduite en 8 langues, elle a parcouru le monde, elle a été au Japon, à Tokyo, elle a été en Turquie, et à Brousse où il a vécu, elle a été en Europe, elle a sillonné la France, la Belgique, l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne... elle a été au Canada, elle a été aux États-Unis, elle a été au Mexique. C'est incroyable. Quand est-ce qu'elle a été lancée, cette exposition qui va visiter New York? C'est à l'occasion de 2002, l'année de l'Algérie. Ouais. Donc, c'était l'occasion pour nous, à la fois, de promouvoir l'émir et de promouvoir aussi notre pays, de montrer qu'il avait des hommes. Et la première... C'était à l'Institut du Monde Arabe. Donc la première exposition a été faite à l'Institut du Monde Arabe. Et depuis, elle a été à Chantilly, elle a été à l'Hôtel de la Monnaie, elle a été au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, elle a été à Bruxelles. Elle a suscité un engouement considérable, à la fois au niveau de la communauté européenne, mais aussi à la mairie... La mairie de Bruxelles. À telle enseigne que 14 ans plus tard, elle continue à sillonner le monde. Elle continue. Ouais. Là, elle va aller en Indonésie pour plusieurs mois. Mmh. Elle va faire le tour donc de Java, Sumatra, Bali. Il y a une demande. Mmh. Il y a une demande. Mmh. Et cet homme, c'est une référence. Comment se fait-il qu'il est plus connu à l'extérieur que chez lui? Nos enfants ne le connaissent pas. Mmh. Et je suis heureux d'annoncer aussi que cette initiative
et aujourd'hui concrétisé par des faits. La première chair de l'émir Abd al-Qader vient d'être accordée par l'UNESCO à l'Algérie, à la faculté de droit. Et nous aurons, à l'occasion de ce prix, donc la célébration de cette chaire. Aujourd'hui, nos enfants peuvent étudier cet homme sous toutes les coutures. Et les écrits, ses écrits, mais ce qu'on a dit écrit sur lui. Donc la vérité historique va se rétablir. Et on verra que l'Algérie a enfanté des hommes qui sont des phares de l'humanité. Ça, c'est un premier lieu. Mais la deuxième chose, c'est que il répond. Ça a été l'homme qui n'oublions pas qu'il a été à l'origine du canal de Suez. Donc le canal de Suez reliait l'Orient à l'Occident. Et il continue encore à ce lien, à la fois commercial, mais un lieu de rapprochement, un lieu de rencontre. L'émir a été cet isme, de trait d'union entre les civilisations. Un homme passerelle dont on a besoin aujourd'hui. Plus que jamais. Sinon, nous allons vers la déchirure, vers le massacre, vers le choc des civilisations. C'est-à-dire, nous allons aider ceux qui veulent détruire et non ceux qui veulent construire. Donc, nous avons intérêt à promouvoir cet esprit de construction, même en laissant de notre part. Mais parce que si on veut avoir une valeur aux yeux... Parce que la fin est plus grande, elle est plus valeureuse. Elle nous dépasse. Ouais. Alors, quel prix nous mettons? Qu'est-ce que nous mettons? Comment peut-on aider? Comment peut-on concevoir? Et là, à partir de là... Vous savez, vous parlez tout à l'heure de pédagogie. Comment se fait-il que le seul pays qui a mis une pédagogie au monde, je dis bien au monde, c'est les États-Unis, sur l'émir Abd al-Qader. Et ils la vendent au reste des universités. Vous avez la ville de Al-Qader, le maire d'ailleurs de la ville d'Al-Qader sera là avec nous pour le prix de la remise du prix. Eh bien, la seule université qui a produit... un instrument pédagogique à partir de la philosophie de l'émir, elle est américaine. C'est quand même désolant de l'entendre et que nous dépositaires naturels de cette richesse. C'est un devoir pour nous. Nous lui tournions le dos. Oui. Et peut-être l'émir nous fera découvrir quelque chose dont on ignore tout, des trésors qui sont cachés, sur lesquels on marche. On le dit fondateur de la nation algérienne moderne, il faudrait peut-être songer à, j'allais dire, entendre ce mot fondation dans le sens plénier du terme, c'est-à-dire fondateur de la conception de l'homme, de la conception de la relation, de la conception de la rencontre qu'il incarne. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. En 1860, qu'est-ce qu'a fait l'émir ? Il a réconcilié les Druzes et les Maronites, oui. Ils s'entretuaient entre eux. Bien sûr. Et il a sauvé combien de milliers de vies? Il n'a pas encouragé les uns contre les autres. Il a atténué. Il a été l'homme, encore une fois, du rapprochement, de la réconciliation. Et est-ce que la Syrie d'aujourd'hui nous fait plaisir? Quand on voit que des pays entiers disparaissent. De notre vivant, on ne pensait pas, personne ne pouvait penser que le monde arabe pouvait s'effondrer de cette façon-là. Comme un château de cartes. Donc, on bâtit sur quoi? C'est les hommes qui font les nations. C'est les hommes qui font les pays. Cheikh Khaled Ben Tounes, en tant que porteur de ce message ô combien important de paix, de réconciliation, ne vous arrive-t-il pas de temps en temps de penser que vous êtes une voix qui crie dans un désert? Je n'ai pas le temps. Je ne fais pas attention à ça. J'ai pas le temps. Mon problème, c'est le temps. Je suis sollicité partout. Je vais partir. Je vais finir le 22. Je repars déjà pour être à New York, à l'Assemblée générale à New York, pour présenter le projet de cette humanité en tant que personne juridique et qui va faire évoluer le droit international. Et que l'agressivité, personne ne pourra plus, au nom d'une idéologie, au nom d'une religion, au nom d'un pays, au nom de tout ce que vous voulez, ne pourra agresser l'humanité. En tant que tel, parce qu'il aura devant lui, pas seulement des pays, il aura une personne juridique. Et ça, c'est pour moi un immense pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est d'imposer la culture de paix dans l'instruction et l'enseignement de tous les pays. Et on pense, avec l'ONU arrivée,
à faire en sorte que d'ici 2030, tous les pays, sans exception, auront inscrit la culture de paix dans leur enseignement. Ça, c'est des actes pour moi. Au lieu de 1000 discours, eh bien, moi, j'ai dit, peu importe comment on entend pas aujourd'hui, ça m'est absolument égal. Qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Le lobbying est une démarche délibérée, assumée par vous dans les sphères décisionnelles. C'est assez... Moi, on m'a confié une mission. Oui. Je suis le dépositaire d'une tradition, d'une spiritualité. Et il faut qu'elle entende sa voix. Vous avez 350 millions de sophies dans le monde. On ne les entend pas, on ne les voit pas. Nous, on a été à l'ONU, ce n'est pas pour le plaisir d'aller à l'ONU, mais pour d'incarner que dans cette tribune des nations, il y a une voix de la spiritualité musulmane qui puisse parler. Moi, je ne me sens pas uniquement alawi. Je suis Darqawi, je suis Issaoui, je suis Naqshbandi, je suis tous les zawiyas du monde sont en moi et toutes les confrères du monde sont en moi. Et plus que cela, je suis chaque musulman, celui, même celui qui ne pratique pas. Et plus que ça, j'ai envie de dire, vous êtes un être humain. Merci beaucoup. Et c'est important hein, de mettre en avant l'humanité. C'est notre devoir. C'est notre devoir en tant qu'être humain. Et surtout, quand on a eu la chance de recevoir cette éducation et quand on a eu la chance que des personnes de 90 ou 70 ans vous disent « Vous allez porter cette responsabilité et que vous tremblez sous vos jambes et que vous avez vos cheveux qui vous, en blue jean et en cheveux longs. » 26 ans, vous avez 26 ans. Vivant à Paris, ouais. C'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Et vous dites mais ils sont fous. Ils sont complètement fous. Donc, il faut être fidèle à cette parole donnée. Le choix a été fait. Heureuse folie qui vous aura permis de devenir 46e guide de la Tariqa Alawiya. Avant de se quitter, cher Khaled Mentounes, peut-être deux, trois mots concernant la préparation de cette cérémonie de remise du prix Amir Abdelkader qui aura lieu à Mostaganem, donc le creuset de la Tariqa. Les préparatifs se déroulent-ils sous de bons auspices? Absolument, ouais. Absolument, jusqu'à ouais. Maintenant. On pensait la faire au musée du Bardo, ils étaient heureux de pouvoir faire cette manifestation, mais la demande a été telle que le musée du Bardo ne pouvait pas recevoir plus de 250 personnes pour cette cérémonie. Là, vous vous apprêtez à recevoir un millier de personnes. On est aujourd'hui à plus d'un millier de personnes. Ça dit le succès de la démarche. C'est-à-dire, donc, il y a un aura. Donc, l'émir Abdelkader, il y a une attente. Il y a une attente. Et voir que les plus humbles peuvent venir, parce que nous, on aurait choisi qui? Forcément, on choisit... Les notables, le corps diplomatique, etc. Là, c'est ouvert à tous les Algériens qui sentent en leur cœur, à leur intériorité, cette foi qui vibre et qui veulent renouer avec leur prestigieux passé et qui n'est pas mythique, qui n'est pas... C'est la réalité. Alors, démontrons-le. Faisons en sorte, pour unir, nous avons besoin de notre pays est entouré de braises. Évitez que le feu ne prenne chez nous. Il faut l'éviter et il faut tendre à s'unir devant l'adversité et à préparer l'avenir pour vivre l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Il est quand même très heureux, effectivement, que dans cette région du monde, une initiative aussi lumineuse puisse voir le jour. Je ne sais pas si elle est lumineuse. Une initiative de paix, une initiative qui dit tout le contraire de ce que vit la région. Oui, nous essayons de montrer qu'il y a encore des pays musulmans, des pays qui ont connu la souffrance, des pays qui ont connu l'humiliation, la colonisation, des pays qui ont connu le terrorisme, les années noires, et qui arrivent encore à espérer, et qui sèment l'espoir. Et non seulement pour eux-mêmes, mais pour le reste du monde. À tendre la main au reste du monde, et à dire, réveillez-vous tous ceux qui ont de l'espoir pour que l'humanité de demain puisse, cette famille, puisse s'unir, et entreprendre des actions communes, et bien c'est le moment où est venu. Ne baissons pas les bras et ne disons pas « nous ne pouvons rien faire ». Non, chacun de nous peut, par la parole, par le geste, par un sourire, juste par la pensée, par une prière,
il peut aider le projet, ce projet du vivre ensemble, ce projet de l'humanité, ce projet qui débouchera sur une justice plus grande, sur un partage plus grand, sur un savoir et des connaissances partagées. Voilà, il faut mieux, moi je dis, il vaut mieux enseigner cela à nos enfants pour qu'ils portent en eux l'espoir de demain que de leur enseigner qu'il y a tel contre nous, tel machin, que nous sommes... Non, la négativité ne sert à rien. Cultiver l'espérance, voilà un maître mot hein, qui vous est très cher, cher Khaled Bentounes. Un énorme merci hein, pour ce bon partage que nous avons eu avec vous hier soir et ce soir. Peut-être avant de se quitter, un petit détour du côté de votre bibliographie qui est riche. Vous avez à votre actif une dizaine d'ouvrages, dont ceux déjà évoqués hier au soir, Le soufisme au cœur de l'islam, qui est devenu une référence, hein, contenant un savoir donc encyclopédique de ce qu'est le soufisme. Qui est traduit ici en plusieurs langues. Qui est traduit en plusieurs langues, paru aux éditions Albin Michel en France. Il y a également un ouvrage qui a retenu mon attention, celui intitulé « Thérapie de l'âme », et où vous présentez donc l'être humain dans sa dimension essentielle, c'est-à-dire dans sa fitra, et où vous dissociez justement cette fitra, cette essence de l'homme, de la culture dont il est, d'une certaine manière, l'inné et l'acquis. Et il est important aujourd'hui d'entendre cela. Absolument. Et de savoir discerner et faire le distinguo entre l'un et l'autre. Nous avons également évoqué cet ouvrage relatif à la nature, relatif donc à l'environnement, intitulé, c'est un ouvrage collectif, intitulé « La nature, miroir du divin ». Tout cela pour dire que votre spiritualité s'intéresse de façon très ferme et de façon très résolue à l'environnement et au développement durable. J'ai créé une fondation pour ça, justement. Et, j'étais à la COP 21 à Paris, parmi les représentants des religions et des spiritualités du monde. Il y avait une soixantaine de personnes et c'est moi qui ai représenté la tradition. La voix de l'islam, on a été invité à l'Élysée et des propositions qu'on a remis à l'Élysée. Et nous sommes aussi invités à Marrakech pour la 22e COP qui se passe dérouler au mois de novembre à Marrakech du 7 au 21. Laissez-moi vous dire que ce qui me frappe, cher Bentounes, c'est que dans votre démarche, vous ne vous contentez pas de discours, de belles phrases, vous êtes toujours dans l'action, c'est-à-dire dans la proposition. Vous proposez, vous suggérez et vous poussez d'une certaine manière pour aller de l'avant. Ce que je fais, je le fais naturellement. On n'est pas dans les grands discours, les passez-moi le mot, la phraséologie, on est dans du concret. Voilà. Je fais ce que je sais faire, c'est tout. C'est cela. En tout cas, je vous remercie infiniment. Peut-être un petit focus avant de se quitter sur la célébration du 100e anniversaire de la fondation de l'ordre Soufi Alaoui qui a eu lieu donc les 28 et 29 septembre de l'année dernière, 2015. Une grande messe qui a réuni donc énormément de monde à l'UNESCO. 1200 personnes. Tous les représentants des États qui se trouvent à l'UNESCO. Un souvenir mémorable, je suppose. Absolument, avec la présence du ministre des Affaires religieuses des Habous. Voilà. Et ça, c'est l'éloge aussi qui a été fait au Cheikh Alaoui. Vous pouvez le lire, c'est l'éloge qu'il y a. Je vous laisse le lire en guise de conclusion à notre partage. C'est la décision de l'UNESCO lors de la 37e conférence générale en novembre 2013 qui déclare l'ordre Soufi Alaoui, fondé par le Cheikh Alaoui, a fait de la promotion du dialogue interreligieux sa priorité. L'ordre montre comment mieux servir l'humanité, comment tenter d'harmoniser et d'embellir le monde. Il accepte et admet tout ce qui peut apporter à l'homme le confort matériel, mais toujours en étroite relation avec la dimension intérieure, dans un équilibre permanent entre le profane et le sacré. L'ordre mise sur la fraternité aimante des hommes. Il invite en effet à ne pas rejeter la rationalité au détriment de la spiritualité et à ne pas s'enfermer dans une religiosité frileuse. Et c'est
donc une décision de l'UNESCO à l'hommage de Sheikh Lahlaoui. Et un bon résumé de ce que nous avons essayé de mettre en exergue durant ces deux soirées de partage. Un énorme merci, Cheikh Khaled Bentounes. Je rappelle que vous êtes donc écrivain, penseur, conférencier et guide spirituel de la Tariqa Alaouia. Chers amis auditeurs, c'était mon grand témoin de ce soir. Je vous espère une belle fin de soirée. Je vous retrouve bien évidemment tout prochainement en compagnie d'une autre personnalité et un autre univers à découvrir. Merci à Jawida Zekad qui veille au grain et qui a réalisé admirablement, comme à son habitude, cette émission.